Troisième périque de l'Hilchot Lotachanifu, on est à la Halacha Dalet. J'entends quelqu'un qui dit un peu d'apicorsoute là. Ce n'est pas tout à fait des choses qui sont correctes à entendre. Be'ashkafa, ou dans la façon de voir la vie, Ba'alacha, alav la krisho miyad, il faut tout de suite l'arrêter. Mais kol sheken, chassou lo laskim et dvarim alalou mitoch hanoufa, il n'y a plus de façon qu'on n'a pas le droit d'y accepter ou de coopérer, midi mitoch hanoufa, pour uniquement faire plaire à la personne. Kmochen, im shama mimeno tachaziyot sheker, agormot le shum'an rifyon b'avodat Hashem. C'est quelqu'un qui, tu entends quelqu'un qui commence à être on va dire, c'est quelqu'un de très pessimiste. Ouais, c'est bientôt la guerre, c'est bientôt on est tous pourris, et qu'automatiquement, les gens ils s'affaiblissent dans la Avodat Hashem. Lo yomar beder tfilahi, lou yé kidvarecha. Pourvu que ce soit comme tu dis, kevin shigam bekar, yesh mishu askama le dvarab. Puisqu'à cause de ça, ça voudrait dire que, kamiachol, tu es d'accord avec ce qu'il dit. Il va d'abord nirchav. Parce que la façon comment il parle, les choses qui sont négatives, causent aux gens de kaviyachol se rabaisser dans leur emouna. Donc tu ne peux pas accepter et collaborer avec lui là-dessus. Par exemple, dans un moment de détresse, un homme il a entendu comment Adam et Travero, entorer les torer les. Tu sais, pas besoin de faire des tfilotes. Parce que c'est comme ça les habitudes, il y a des guerres, il y a des problèmes. Donc tu verras, comme la guerre elle est venue, la guerre elle va passer aussi. Un kol yavor, tout va passer. Rabbi Mavrout Sarah, plusieurs sont passés dans des problèmes. Même prier, tu n'en as pas besoin. Gam imlo naatsa meuma. Donc, c'est parler comme ça, c'est la pigorsoute. Share yedouim livré à Rambam, c'est autres derrière Chazariout. Quelqu'un qui, au moment d'une Sarah, ne prie pas, c'est quelqu'un qui est cruel. Quand il arrive un malheur, Dieu nous en préserve. Voilà, à ce moment-là, on est obligé. Il faut tout faire pour essayer, Bezrat Hashem, d'être mevatel la tzara. Et pour être mevatel une tzara, Beder Klal, c'est par la tfila. Lachen, c'est pour cela. Hashomer Advarim, Elo, qui dit qu'il Bichlal, qui n'est pas d'accord sur place. Il arrête tout sur place. Ve'af lo yomar Beder Tefila, Amen. L'OIA qui devrait dire que la Tara, elle part tout seul. Tu n'as même pas le droit de dire comme ça. Qu'il y a des cars, ou Gam Kemnikra Hanaf. Parce que chez nous, sur terre, il dit vraiment sous la film. Il a dit des bêtises. Maintenant, même qu'en vérité, ce qui veut dire, c'est que la guerre s'arrête le plus vite possible, et que le malheur s'en aille, et que le coronavirus disparaisse. Mais comme il a dit d'une façon de la picorsoute, même si tu dis l'OIA qui devrait dire que pour lui, ça se réalise comme tu dis, que la maladie s'en va. Mais puisqu'il a dit avec une connotation de la picorsoute, à ce moment-là, Assour de Kaviyachol, lui dire Amen, Yukid parce que c'est Hanoufa. Encore un autre exemple, mais on peut avancer là-dessus. Aroé Israël al-Achahé. Aroé Israël Kacher, Shavar Avera Mesuyame. J'ai vu un juif qui a été ouvert une Avera malheureusement. Ou même comme l'Ochichor au lieu de lui faire un reproche, il lui dit, écoute, tu sais que c'est pas bien ce que tu as fait, tu t'ôtais. Aïssour Kayam, Nikra Hanaf quand même. Pourquoi? Parce qu'Aïssour Kayam, l'interdit est présent, toujours, même si la faute elle est faite Beshogeg. Donc, d'une certaine manière, tu aurais pu lui faire comprendre qu'il y a une erreur et tu ne lui as pas fait comprendre qu'il y a une erreur, ou en tout cas, il ne voit pas chez toi que tu prétends qu'il y a une erreur ici. Alors, il y a un problème de Hanoufa quelque part, qui il ou tu fermes les yeux. Maintenant, de nouveau, je ne parle pas que tu fermes les yeux, mais Prina Chinuchit. Des fois, avec un enfant, on a intérêt à fermer les yeux. Mais prénachinouchit, parce que pour essayer de le reprendre d'un autre côté. Et pour l'instant, on ne parle pas, a priori, si je comprends bien, de quelqu'un qu'on va être marzir bitchouva. Mais Begadol, on parle de quelqu'un il peut écouter. Et on voit qu'il fait une faute et qu'on se tait. Alors là, il a un ami, même s'il a fait ça Beshogeg, s'appelle Hanoufa. Alachavav, moutar le chabad et ta'achirim bekima ou beyidour. Ah, si c'est comme ça, des riches qui sont malheureusement pas chambrés Shabbat, comment je les honore? On a le droit de le faire. Af im enam tzadikim aruim lechavot zeh, ou bilvat shlo yo reshaim. Mais à une condition, au moins que ce ne soit pas des reshaim. Car si ce sont des reshaim, là on rentre dans un problème de chanoufa. Mais si ce ne sont pas des reshaim, alors à ce moment-là, tout simplement, ce ne sont pas des tzadikim. Quand même, on leur doit le faire du kavod, comme on fait au kavod, pas comme on fait au kavod de rabbanim, c'est un peu peut-être exagéré, mais en tout cas, leur faire du kavod, parce que sauf, il faut être mechazek otam sur le chesed qu'ils font au Béné Israël, en donnant de leur trouma, de leur argent à la tzedaka.